Prenez ça comme si je lisais la pensée d'un prédicateur qui est sérieux. Amen. Ça s'explique très, très, très bien le texte de Romains chapitre 1. Alléluia. Je vais lire rapidement ici. C'est qu'on peut connaître les dieux et manifester pour eux, Dieu les ayant fait connaître. Les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle, sa divinité, se voit comme elle est unie depuis la création du monde. Comme quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Ils lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intérêt a été plongé dans les ténèbres. Ça dit exactement la même chose. Alléluia. L'ignorance fait que beaucoup de gens se trouvent dans l'idolâtrie. C'est pourquoi les chrétiens doivent connaître la Bible. Une église qui est basée sur les prédications, seulement une prédication, un dimanche, une prédication, un dimanche. Les chrétiens ne grandiront jamais. L'église doit être établie sur l'enseignement des thèmes chrétiens. Parce que quand on vous enseigne sur l'idolâtrie, quand vous allez parler à quelqu'un demain, elle va se rendre compte que, ah, la chose ici, on ne la fait pas. Alléluia. Amen. Alors, beaucoup de chrétiens, à cause de l'ignorance, vous voyez, Israël, quand la loi n'était plus là, quand les gens ne connaissaient même plus ce qui était dans la loi, ils faisaient n'importe quoi. Ils étaient avec ces dieux-là associés dans ces idoles. Ils trouvaient même plaisir à ça. Et vous souvenez que le roi Ézéchias, dans un moment, il a envoyé les gens dans toutes les régions à ça, au Ézéchias. À ça, au Ézéchias. Un de roi, en tout cas. Il a envoyé dans toutes les régions avec seulement la parole et la crainte de l'Éternel était dans toutes les régions. On ne les a pas attaqués. La connaissance de Dieu est extrêmement importante. Je disais, je crois au mois de janvier, que les grandes choses de Dieu s'établissent dans le silence. La lecture et la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Sinon, tu ne vas pas être ignorant demain. Amen. On ne va pas te dire, on va te donner 500 dollars, on va te donner l'huile d'onction. C'est de l'idolatrie, là. Ce n'est pas l'huile d'onction qui est de l'huile de la démolition, ça. Alléluia. Parce que tu auras étudié la loi pour comprendre que les choses de Dieu, ça ne s'achète pas. Alléluia. Amen. Donc, encore un texte de sagesse, je vais lire rapidement aujourd'hui. Comme ça, ça va vous donner la curiosité d'aller lire la Bible de Jérusalem un peu. Amen. J'ai pris cette Bible-là, c'est grâce qu'il y avait, je ne sais pas où est-ce qu'il a mis ça. Amen. Sagesse chapitre 4, verset 22. Dit simplement ceci, en outre, il leur a suffi de dire au sujet de la connaissance de Dieu, alors que l'ignorance les a fait vivre dans une grande guerre, et il donne à de tels mots, à une grande guerre, il donne à de tels mots, les noms de paix. Amen. 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 Le cul des idoles sans nom est le commencement. Et la cause et le terme de tout mal. Alléluia. Amen. Donc, revenons un peu dans Éphésiens chapitre 4, verset 18. Éphésiens 4, verset 18. Éphésiens 4, verset 18. Amen. Alléluia. C'est très important ce que Paul dit ici. Il parle des gens du monde. Hein? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. On dit que les gens de l'émotion sont idolâtres. Ils sont déjà à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils ne savent pas qu'il faut adorer Dieu seul. Ils savent que ces statuettes qu'ils font là, il y a juste un démon de rien, il n'y a rien. Ils ne savent pas vraiment que la solution de tout problème de toutes nos vies est en Jésus-Christ. Ils ne savent pas que Dieu veut que ses enfants demandent. Amen. Il y en a qui croient, dans la chrétienté, il y a beaucoup d'ignorance comme ça. Par exemple, ils pensent que non, Dieu t'envoie la souffrance pour que tu meurs, pour t'apprendre des choses. Dieu peut permettre des épreuves pendant un temps. Mais la prise de la souffrance du juste a toujours une fin. Alléluia. Alors, il faut que les enfants de Dieu aient la connaissance pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Même quand j'ai parlé de l'idolâtrie des hommes puissants, pour ne pas être victime d'un pasteur qui va vous abuser demain, vous devez connaître la Bible. La Bible parle des chrétiens libérés. Quand on enchaîne quelque chose, vous avez le droit d'aller chez vous, de lire et de vérifier ce que nous disons ici. Amen. Mais sinon, vous allez gober n'importe quoi. Alléluia. Amen. Donc, pas
Seigneur, moi je m'en vais, on était au campus. Oh, j'ai rêvé le même neveu là, il y a des semaines, il faut que je prie pour eux. Ma, il de mes tantes était dans les Maïkari depuis plus de 30 ans. Alors, on était jeunes, ils sont venus nous voir, ils viennent de la Belgique. Nous, on était encore étudiants, je crois, en deuxième, en troisième graduat. Et puis j'avais mal à la tête, mes petits amis, non, non, tonton, tu n'as pas, on va juste te mettre la lumière, on va juste te mettre la lumière. Mm-hmm. Les jeunes hommes là, de 11 ans, ils me mettent la main sur la tête, et le mot de tête, ça partit. Ah, mon ami dit, mais c'est intéressant les histoires là. Mon ami était mon maître en karaté. Alors, on est allé dans l'air dojo là, j'ai regardé cette histoire où j'ai dit, non, 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 moi je ne peux pas venir ici. Dieu m'a aidé, mon ami est resté là jusqu'à sa mort. J'ai vu une vision, Dieu m'a parlé dimanche, de mes 9h, il y a longtemps, je les ai vus. Ils vivent, je comprends qu'ils sont. Après le Maïkari, ils sont maintenant dans les Bradam. Je les ai vus dans des conditions donc très très malheureux. On me les a montrés il y a 2-3 jours. Je crois que Dieu veut que je puisse prier pour eux. Parce que l'esprit de résidents, il te possède, tu vas aller d'une secte à une autre. C'est très très difficile. Alléluia. La troisième manière par laquelle l'idolâtrie arrive. Ça, c'est très important pour ceux qui sont curieux. Vous savez que tu as besoin ce moment de la vie de Jésus-Christ. Quand tu connais Jésus-Christ et sa parole, c'est amplement suffisant. Tu n'as pas besoin de savoir les autres comment ils adoraient leur Dieu. Amen. Alors, Deutéronome 12, verset 24, je vais le dire après, dit simplement ceci. Ne vous informez pas auprès de ces gens comment ils adoraient leur Dieu. Cette curiosité-là a coûté beaucoup de Ève, d'abord, c'est à cause de cette curiosité de pouvoir savoir. Quand Dieu interdit quelque chose, Dieu sait pourquoi il interdit. N'allez pas dire, ah, moi je vais voir comment les produits font pour. Tous les. Je connais un médecin, j'ai raconté à ma femme un médecin qui est venu chez nous avant, qui est venu sorcier. Il pensait qu'il allait savoir comment les sorciers font. Tous les anthropologues américains qui viennent en Afrique, tous les sorciers, il y a une qui était mariée, un de mes amis, là, le mariage est fini, je suis allé prier dans leur maison, mais c'était terrible, c'est, c'est quoi là, la ville, la capitale de l'État de New York, là. Albanie. Oh. Donc, vous voyez que tous ces gens-là sont allés pouvoir s'informer, comment est-ce que vous adorez votre Dieu. En vous informant, vous ouvrez la porte aux démons. En vous, n'oubliez pas, il y a toujours la chair qui est le pont entre vous et le diable. Et le bal va vous avoir. Alléluia. On ne s'informe pas de ce que comment les autres font. J'ai besoin de savoir qui est dans le maigri, je sais que c'est le diable. Je n'ai pas besoin de connaître tous les détails du maigri, comment ils font. Alléluia. Tu risques ce que Dieu fait. S'il veut assortir quelqu'un pour enseigner ces gens-là, c'est des gens qui ont été là-bas, comme le petit qui m'a enseigné sur la franc-maçonnerie, et de mes fils et béninois. Et quand je l'ai amené à Christ en 2002, il avait déjà 14 ans dans la franc-maçonnerie. Et il m'a mis dans la vie, me promener dans la vie, me montrer, ça c'est le franc-maçon, il m'a montré tous les secrets de franc-maçon dans la vie. Amen. Mais toi qui es déjà en Christ, ne cherche pas de savoir comment ils font. L'air est juste toi. Alléluia. Amen. Deutéronome 12, verset 29 à 30. Je dis à nos enfants dans les universités, faites extrêmement attention. On va dire, mais tu es intelligente, mais. Et puis, il faut entrer dans notre cercle pour dominer le monde. Le monde va être détruit, tu vas le dominer comment? Alléluia. Deutéronome 12, verset 29 à 30. Amen. Je vais demander à Frère Germain de nous lire cela. À haute voix. Oui, Deutéronome 12, 29 à 30. Parole du Seigneur. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Amen. Amen. Garde-toi de t'informer. Oh, je veux savoir l'information pour comment. Oh, je veux savoir une réunion, c'est pas, je vais aller seulement pour écouter. N'y va pas. Garde-toi de t'informer. Après, dis-moi, tu ouvres, tu tables, elle va t'attendre seulement l'oreille au diable. C'est fini. On ne tend pas l'oreille au diable.
Il y en a qui enseignent que la chair a été crucifiée. Mais la chair est crucifiée seulement quand tu vas selon l'esprit. Amen. Amen. Quand tu vas selon l'esprit. Et quand tu es dans une vie de prière. Quand tu ne marches pas selon l'esprit, tu n'es pas dans une vie de prière. Amen. Et Jésus a dit, veillez et priez parce que l'esprit est disposé, la chair est faible. Ne t'informe pas. Oh, on va dans une réunion, on va chez... Non, ne t'informe pas. Oh, je vais sur l'internet voir juste une vidéo pour voir comment c'est courant là, qu'est-ce qu'il enseigne. Ne t'informe pas. L'idole, on fuit. Alléluia. Amen. Vous avez bien retenu ce texte-là. Retenez-le. Tu vois, 12, verset 29, c'est très... Ne vous informez pas. Les enfants d'Israël, quand ils ont voulu faire ça, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc la curiosité spirituelle des autres religions est dangereuse. Nous avons amplement et suffisamment la connaissance de tout avec la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth dans sa parole. Il est l'alpha et oméga. Amen. Tu n'as pas besoin de connaître autre chose. Alpha et oméga. Tout ce que tu as besoin de connaître pour être en paix, pour la vie, est en Jésus-Christ. Ne t'informe pas. Tu n'as pas besoin de t'informer. Quand tu vas t'informer, tu vas dire, je ne suis pas sûr de mon Dieu, je vais chercher à voir qu'est-ce qu'ils font. Amen. Il y en a qui me posent la question. Ce n'est pas moi qui réponds, c'est la Bible qui répond. Pour aller au ciel, tu dois croire en Jésus-Christ Nazareth comme fils de Dieu. C'est fini. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est fils de Dieu, tu ne vas pas au ciel. Il n'y a pas de... Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas d'autre. Alléluia. Mais quand vous l'avez, vous, ou qu'il est en vous, pourquoi est-ce que vous allez chercher encore ailleurs? Alléluia. Il y en a qui sont des sécrétiques. Ils prient Jésus et puis il a envoyé un petit truc à côté. Encore un petit truc. C'est le même hôtel. Dans l'hôtel de Dieu, il n'y a pas autre chose qu'on peut ajouter. Alléluia. On a vu, je ne sais pas dans quel enseignement, et que Dieu n'aime pas les mélanges. Alléluia. Amen.